شكرا.
التلاوين النفسية السكيون النجماعة ذاكي في تمورت فرنسا يقوف لغيت الكونسولا من تمورت النار تمورت النار أي نعود بالليك الصدار أكم يا رجازن سيد زايرين أكن من الله ولاش دا شوغي خصل ولاش دا شوغي نقصل السكيون لدنا نجرد في غريا يوكل ويكي غلي نقن تلاوين في تمورت النار إلاق أتحبس ثلاثة لوكتاكية ما كدا إنا راي أران صبر أشحال بالسنين يكيا أتاكي لقد ظلم بلي نبوض الواحد القيس واحد وضعين يتلوين من الجزائر يقعلين نغانتن يركزن تعان سبنسن ويبغى تتيا فوقيت ويبغى تياوى سدرا ويعشق الجز فوقيت يسعى الضروة أتينا أتي أخوات اللي تعديهم في الناس أكني فرارة يتكشيش تيمي القرن شي ما ساتو نكون يا ساكيون تلوين من الجزائر من نجمع تسا دي تمورت من فرنسا يوكنا دنينيا بلي دي الجزائر نا في فرنسا نا في امريكان نا عند من لا نكون تس جزائريين لا نقرا لا لا نقرا الفيمينيسيت لكن نقرا في فرنسيس إلا قاعد يحبس نعيا في من غير سن التمطوط في من غير سن التمطوط في كموت الجزائر شقلا ما كنيو في اللعب أوركيك يا كيزن باش كنا لي يحبس وانشتا نحوج القوانين نحوج القوانين النصاحة ديالي القانون على يسحب سنين كيزن كيو نحوج تموت الجزائر وليدي اللانا فوق رب مرتكية نحوج إسابة اللمان الفهما باللي فانطوس ما ردوح عرسنا تشتكيو خطش يتعدى في الحرمة وركز الكبري نخطش إركميت بابس الكخام يمتيت إلا قد فهمان باللي ذان ثاني في روح الغروان ما تشيل وتماس الفلان نغضي اللي سنفلان تكا إلا قد فهمان باللي كنت في سلاوي سلاوي سيمان انت ونحو جارة أدر أتيلي متشاشيد عافق ورائنا نعيا الكوانشتا بغير كي يركز أتيلي غالزاتي أتنا نبنو تسكيت تموت كينا للزهرين حي ونحمل أطاس أي صغران تسلاوين لان القوانين في تمور فينا لان القوانين اكتو سمان بلي هذا الحدر وطنطول معنى لكن قرن استعرض بالتطبيق يخوص يخوص خطش البوليسي يثمر يفهم القانون كل ما يبغى ويثمر لا يكتب لك بالكذب خمر هم المدان تعال سيني غارن يوكنا تدو وسني غيدينا بطيرا أفراش مربين إلا قضام الليسين اللي جهدت إلا قتيسين رندو بشكل البنو الزير السكي عن سوالي إلى وين من الزير ميدو ندخل أغيديني ما كيف الوقت الأخواتنا المقتولات النساء عاطفات 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 نارا هم يموتوا يا نساء نودوا نودوا خواتك
نوضو عندكم بزاف وانتو راكم لحديك. Et évidemment, les crimes d'honneur en Algérie, c'est 6 mois de prison avec sursis. Voilà. Ça veut dire on viole sa fille, on viole sa nièce, on viole sa sœur, on viole sa petite fille. Et au pire des cas, on a 6 mois avec sursis. Dans une rencontre, dans une réunion d'association, début des années 80, là je ne l'ai pas raconté hier parce que je ne pouvais pas prendre la parole trop longtemps, c'était trop d'émotion. On reçoit la visite d'une avocate choquée. C'était en 82 ou en 83, qui vient nous voir pour nous sensibiliser sur le cas d'une fillette de 14 ans violée par son père. Elle habitait à Hadjout, son père travaille au champ et la fille de 14 ans prend tous les midis le repas à son père et ce jour-là, dans les champs, il la viole. Et cette avocate a été commise d'office pour défendre la fille. Parce que la fille a été, tenez-vous bien, ne tombez surtout pas, elle a été mise en prison. Et les gendarmes, pour justifier le fait qu'on emprisonne la fille dans le carré des femmes en prison, ils ont dit c'est pour la protéger parce que vous comprenez. Donc évidemment, ils disent le tafla parce que bébéha tasbha. Mais parce que Kima, la pauvre Shaima qui est jugée, même après avoir subi le châtiment suprême prévu par Dieu. Parce que Dieu, le châtiment suprême, c'est quoi? Jahannam, anhalqkoum. Eh bien, Shaima a été brûlée, donc c'est pas Jahannam attaha normalement. Elle est absoute, t'rach l'jinnah, khalida fiha abada. Eh bien, on continue à la juger, Shaima, parce que. Et donc, elle a été mise en prison, cette gamine, à 14 ans, parce que son père l'a violée, wa'amoumha, khabou yqotlouha. Et quand elle passe devant le juge, évidemment, il dit, « Pourquoi j'ai pris cette fille ?»« Ah, qu'elle, parce qu'elle m'a aguiché. » Et tenez-vous bien, le juge qui regarde la fille, « 14 ans, il y a une autre 14 ans, déjà le choc du viol par le père, « Qu'elle a un petit mètre chmiche ?»« Qu'elle a trouvé avec des chéris bébés ?» Et bien voilà, le cas qui nous a été soumis par cette avocate. C'était en 82 ou en 83. Bon, et j'en passe et des pires sur cette question-là. On ne va pas faire le point. Je crois que Wiham Tudkash, Wiham et Nariman, qui ont ouvert la page des féminicides, hein, qui ont fait un excellent travail. Merci beaucoup. Et je crois que si nous sommes là, c'est grâce au travail de Wiham et Nariman, hein, qui ont créé la page des féminicides.
bravo, vraiment bravo, parce que jusqu'à présent, on entendait parler de ça, c'était des faits divers. Et oui, elles et Nariman ont décidé de créer la page, elles ont décidé de donner un nom à toutes ces femmes tuées, elles ont donné les circonstances, et je suppose qu'elle va prendre la parole pour nous expliquer ce qu'elles ont fait. Je reviens, moi ce qui me choque, c'est que je continue à entendre des choses du style « Oui, il paraît que ta mère l'a prostituée, il paraît. » Eh bien moi je dis, elle était prostituée, oui elle était prostituée, et alors? Elle ne portait pas le voile à Raya, oui et alors? C'est une raison pour la découper en morceaux, pour la brûler vive? Non, pour moi. Alors, du coup, le petit bonhomme, on l'oublie, personne ne parle de lui. Lui c'est normal, qu'il lui coupe les jambes, qu'il la brûle vive, c'est tout à fait normal. Eh bien c'est de ça qu'on en a marre. Et la loi, ben, évidemment la loi sur le viol, qu'est-ce que c'est que ces manières? Il viole une fille et on la lui offre à vie. Hein, il la viole une fois, on lui dit « Eddiha ». Ça veut dire que la virginité de la fille, hein, la fille elle n'est plus vierge, elle ne sert à rien, on s'en débarrasse. Et hier, j'ai cité le cas de certaines régions d'Algérie où on voit les mariages des filles de 12 ans. Eh bien, j'ai appris que les filles mariées à 12 ans, c'est les filles qui sont violées par les grands-pères et les pères et les frères. Elles sont violées, c'est des viols incestueux, on s'en débarrasse, un petit vieux accepte de prendre une petite fille tendre, même si elle n'est pas vierge, ce n'est pas grave. Et alors que nous, on pensait que les mariages précoces, c'était un autre phénomène. Eh bien non, toutes les filles précocement mariées, c'est les filles violées par les incestes. Eh bien, il y en a marre de cette loi qui permet aux violeurs d'épouser la victime, de lui donner encore cette fille. C'est comme si, je citais hier l'exemple, si quelqu'un vole la roue de secours ou le pare-brise d'une voiture, on lui dit « Ah ben tu as voulu voler ça, eh ben tu prends toute la voiture. » Il vient cambrioler une maison, on lui dit « Ah tu voulais prendre le téléviseur plasma de la maison, alors tu prends toute la maison. » C'est ça la punition. Je te donne ta proie. Non, ce n'est pas ça. Autre chose, Samuel a dit, la peine de mort, le mot à la mode, le qissas. Oh, c'est le mot à la mode. C'est tu tues une femme, je te tue, ainsi de suite. Non, je ne veux pas. Moi, si le prix à payer pour avoir des lois qui protègent les femmes, c'est d'acquitter ce monstre, eh bien, j'accepte qu'on acquitte un monstre, mais que demain, qu'il y ait des protections. Je veux des lois en amont. Je ne veux pas la peine de mort. Ça ne m'intéresse pas qu'on tue. Moi, ce qui m'intéresse, moi, je ne réponds pas à la violence par la violence. Je comprends tout à fait la maman, hein. Je comprends la maman dans sa douleur, elle dit je veux qu'on le tue. Moi je ne sais pas, moi si on me viole ma fille et qu'on la tue, je ne sais pas comment je vais réagir. Peut-être que je vais moi-même tuer le bonhomme. Je ne demande même pas après ça. Ça je ne dis pas que dans une situation pareille, on n'ait pas une réaction de violence. Mais nous, en tant que personnes militantes, en tant que personnes qui soi-disant nous luttons contre les violences, nous devons nous battre pour des lois. Qu'on arrête, qu'on a besoin de des lois qui seraient aux mains de que ce soit le parent, que ce soit le voisin, on doit pouvoir protéger.
Mais on s'est vu devant les graphes, c'est pas ça? Donc, voilà, donc, on n'a pas atterri de parler de ça. Moi, je vais demander pour faire une souhaits. Absolument, et je crois que nous sommes nombreux à pouvoir ça. C'est de sortir avec un véritable collectif de lutte. Parce qu'on a besoin de ça. On ne se peut pas. On a bien vu jeudi, elles ont été rabassées à Oran. Hein. Au début du rassemblement, à Yaram, au commissariat toute la journée, elles n'ont rien fait. Elles ont normalement demandé que l'application de la loi. À Alger, au bout de 10 minutes, les flics sont venus les disperser. Et nous avons quand même cette chance. Nous sommes à Paris. Nous avons cette chance de pouvoir nous rassembler et de pouvoir faire du travail, parce qu'en Algérie, elles attendent de nous quand même qu'il y ait plus de choses que ce qui se fait en Algérie. Merci à vous et à notre collectif. Allô. Le carré des femmes soit très très nombreux parce que
les mentalités se changent aussi quand, sur le terrain. D'accord ? Quand ils nous voient parler politique, je vous assure qu'au début, moi je suis dans le Hirak dès le début. Au début, les matchs ne voulaient même pas me laisser prendre la parole. Aujourd'hui, c'est eux qui m'appellent, qui me disent qu'est-ce qu'on veut faire. C'est pas parce que je suis intelligente et plus belle que le reste, pas du tout. Hein. C'est parce que c'est le terrain, c'est le quotidien qui fait changer les mentalités. Et c'est comme ça. Donc c'est pour ça que le 1er novembre, ça serait quand même bien qu'on soit très nombreuses à dire contre le Hukuma, et moi juste je voulais rectifier tout à l'heure une chose, c'est important parce que ça c'est un cercle de débat. Je pense qu'il y a quand même des partis, moi je fais partie d'aucun parti quand même, hein. Mais il y a quand même des partis qui ont fait cette revendication tout au long de leur histoire. Et ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas balayer. Ça s'appelle le fascisme, si on veut partir du néant. Il y a une histoire de l'Algérie et on ne peut pas marcher dessus. Il y a des partis, renseignez-vous, je ne vais pas vous dire qui c'est les partis. Il y a des partis démocrates qui parlent de... Quand on parle de la parité, ils parlent de ce n'est pas un défilé de mode. Mais il y a d'autres partis réellement qui revendique l'abrogation du code de la famille, l'égalité homme-femme, et ça existe en Algérie. C'est pas le Suède ou la Hongrie ou la. Mais en Zaïre, Kainin, Hadel Ahzab, ou Yomi, Yami, Nadlo, Mansa. Donc c'est important quand même qu'on revienne à l'histoire, et c'est pour ça que notre histoire, il faut qu'on se l'approprie. Le 1er novembre, il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. Et les femmes, elles ont fait des enfants, ils déroulent les beignets. Les femmes, elles ont fait des enfants, ou voilà, donc ça il faut qu'on le prouve au quotidien. Donc le rendez-vous est donné 1er novembre à Place de la République et passez le mot. Merci. Alors avant de nous disperser, pour ceux qui souhaitent, je vous invite à récupérer les pancartes qui sont un peu partout sur les bancs et là-bas par terre pour une photo, ceux qui le souhaitent bien sûr. Merci à tous. Merci. Merci.
Allez, la fondation de la Hancom. Non, on va à République.